Regardez comme elle est belle, cette Croix-Rousse. Elle a quelque chose de Tennessee. Depuis 1927, je suis toujours dans cet appartement, au 32 bis du Quai de Sorin. Et on n'est pas prêt de voir le bout du tunnel. Il était une fois, c'est l'histoire de... Je vais vous raconter une histoire. Il s'appelait... On raconte que... Il y a longtemps, très longtemps, dans le temps... Avant le temps. Le conte existe depuis la nuit des temps, et pour que le conte existe, il faut que des gens les racontent. Dès qu'une maman a eu son bébé dans les bras et a voulu l'endormir, elle lui a raconté quelque chose, chanté quelque chose. Dès que des gens se sont retrouvés la nuit autour d'un feu, peut-être parce qu'ils avaient un peu peur, ou des bêtes sauvages, ils se sont racontés des histoires, ou ils se sont racontés des histoires pour se faire peur aussi, peut-être dans l'autre sens. Il me semble que depuis qu'il y a des hommes et des femmes sur la Terre, ils se racontent des histoires. Pour se dire « je t'aime » aussi, on se raconte des histoires. Je suis conteuse depuis longtemps, parce que ça fait presque 30 ans. Quand j'ai commencé à être conteuse, franchement, je ne pensais pas que j'en ferais mon métier toute ma vie. Puis quand j'ai commencé à me lancer dans le monde des contes, je me suis rendu compte que je ne m'en sortirais jamais, parce qu'il y a tellement de choses à recevoir, tellement de choses à lire, tellement de choses à transmettre, tellement de gens à qui transmettre. Pour moi, le métier, c'est déjà beaucoup travailler, beaucoup lire des contes, beaucoup entendre de conteurs, quand on a la chance de voyager, pour pouvoir avoir des répertoires neufs qui surprennent un petit peu le public. Le tunnel, comme les contes, c'est un moyen de communication. Qui dit tunnel, dit passage. Donc le passage, c'est vraiment un thème extrêmement fréquent dans le conte. Ça peut être très très large, comme le passage de l'enfance à l'adolescence et au monde adulte. Donc ça, toutes les fois que dans un conte, un père envoie ses trois fils parcourir le monde, chacun part en quête de quelque chose, bon ça c'est un passage, il va effectivement revenir, positif ou négatif, il aura réussi ou pas son épreuve, mais il sera passé à l'âge adulte. Quand on est dans le tunnel, on se rend compte que on a été vainqueur du temps. Le tunnel, il est creusé sous la montagne. Avant qu'il y ait le tunnel, les gens sont obligés d'escalader la montagne pour passer par-dessus. Et une fois qu'il y a le tunnel, on est vainqueur, on a maîtrisé le temps. Je vais vous raconter une histoire. Zenkai était fils de samouraï. Il était un jeune homme droit, bon. Puis un jour, il aperçoit la reine, la femme du roi. Et il en tombe follement amoureux. Comme il veut partir avec elle, il tue le roi. Elle est très belle, la reine, mais elle a très mauvais caractère. Et elle est tellement dure avec Zenkai qu'il la tue. Que faire? La police le recherche, le fils du roi et de la reine le recherche. Il part sur les routes et il se fait mendiant pour leur échapper. Il arrive dans un village et il voit un vieux moine bouddhiste. Il s'assoit près de lui, il écoute ses conseils et il comprend qu'il a fait deux crimes épouvantables et qu'il doit expier. Et dans le village où il s'est installé, les gens sont obligés d'escalader une haute montagne pour aller vendre leurs produits à la ville voisine. Et la route qui serpente dans cette montagne est tellement difficile, dangereuse, que souvent il y a des accidents mortels. Alors il se dit, pour expier mes fautes, je vais leur construire un tunnel. Il prend une pelle, une pioche, un pic, et il commence à creuser, à creuser, à creuser. Pendant la journée, il mendie sa nourriture. Pendant la nuit, il creuse le tunnel.
Il creuse ainsi pendant 30 ans. Et au bout des 30 ans, un jour, il voit arriver un homme. Il le reconnaît tout de suite. C'est le fils du roi et de la reine. Quand le fils le voit et lui dit « Ah, te voilà, cette fois-ci tu ne m'échapperas pas », il prend son sabre. Et au moment où il va pour le tuer, Zenkai lui dit « Attends, j'ai presque fini ma tâche. Il me manque 2 ans pour finir mon tunnel. Je t'en supplie, laisse-moi finir. » Et le fils accepte. Mais il s'installe dans le village pour vérifier que Zenkai ne se sauvera pas. Il attend quelques semaines, quelques mois, et puis il se dit « C'est bien long. Si je travaillais avec lui, serrais plus vite, je pourrais le tuer plus vite. » Il prend lui aussi une pelle, une pioche, un pic, et il se met à travailler au tunnel avec Zenkai. Il travaille, et là il ne faut qu'un an pour finir le tunnel. Une fois la tâche finie, il y a une grande fête, tous les villageois remercient Zenkai, il a été tellement gentil, il leur évite tellement d'ennuis, et Zenkai se propose... Tu peux me tuer maintenant. Mon œuvre est achevée. Et à ce moment-là, le fils du roi et de la reine dit non. Je ne vais pas te tuer. En travaillant avec toi, j'ai changé mon cœur. Je te pardonne, Zenkai. Désormais, tu es mon ami. Tu es mon frère. Et depuis ce jour, on dit que tous les gens... Tous les ouvriers qui travaillent dans les tunnels deviennent des amis. C'est peut-être le cas pour le tunnel de la Croix-Rousse.